casque sans doute. Ah, il va être furieux là, tu vois. Oh, encore un bon lancer. Non, oh, c'est bon, oh, et c'est Moutré. Voilà, il est furieux. Ouais. Il a demandé à l'arbitre, à juste titre, hein, de... il avait le palais dans le casque. Ah, tout le monde grenoblois est furieux. Et Stepanek, c'est du genre sanguin. Ouais, là, oh, ça, est... ça cache pas le bon jeu, là, le bon tir de Ross, premier ouais. lancé. Alors, est-ce que Grenoble va demander un challenge, peut-être? Ouais, c'est possible, ouais. En tout cas, là, il a lancé son casque de colère. Ouais. On l'a vu, hein, déjà, avoir des essais de colère. Je me rappelle d'un match là, où c'était fait. C'était Neil Manning là, qui s'était mis aux avant-postes. Ah, Balsamo avec Bardaro. Bardaro, Reed. Reed. Oh, Brody Reed. Alain Stepanek peut s'en vouloir, hein, ce palais. Ouais. Pratiquement tiré sur la ligne rouge de, ouais. de but. Entre les jambes, ça fait 2-0, un peu contre le cours du jeu, Charles, hein, quand même. Hein. Ouais, mais s'il y avait eu une grosse occasion pour Moutré il y a quelques instants. Ouais, c'est Bardaro, on a un petit revers là qui a trouvé Brody Reed sur la droite du portier grenoblois. Il est juste entre les jambes. Deschamps. Oh, ouais. Et là, c'est Rouyainen qui était à l'affût ouais. et qui vient réduire le score après ce lancer de Deschamps. Troisième tiers-temps comme prévu. Grosse mise en échec de Der sur Lurka. Balsamo avec sa vitesse. Bardaro. One timer. Magnifique. Brody Reed le doublé. Quel service de Bardaro. Et Wist qui avait la cage ouverte. Ouais, c'est encore les trois mêmes. Hein. Cédric Guillaume qui a trouvé Anthony Bardaro. Voilà, faut pas la changer cette ligne. Ouais. Ah, au début du match, je l'ai trouvé un petit peu fatigué. Ouais. Et là, vraiment magnifique. Hein. Quel jeu. Ouais. Et Brody Reed, il est dans son bureau, là, hein, sur le côté gauche. Ouais. Ce qu'on se disait la dernière fois, Charles, hein, on a connu Danick Bouchard, Jonathan Charbonneau. Ouais. Brody Reed est le digne remplaçant de ce joueur-là. Il avait la cage grande ouverte. Et les Ducs. Ono, grosse charge là, ouais, de Gabory. Solide, hein, Lucien Ono. Oh, la voix qui trouve Aurélien Day. Et le rebond pris Aubin. Par Aubin. Ouais. Là, qui relance complètement ce match. Hein. Ouais. Ouais, ça fait 3-2. Voilà l'énergie là. Ouais, il reste du temps encore. Hein, donc, ouais, bien sûr. Hein. Cette minute 26 encore à jouer. Et les Grenoblois vont pousser, c'est certain. Ah, pas fort. Moutré encore avec Ritz. Allez. Le lancer, le rebond. Oh, Moutré encore. Avec ouais. un peu de réussite. Juste. Alors, est-ce que c'est Nikita Sherbak qui marque ou est-ce que c'est un but contre son camp? J'aurais plutôt tendance à dire que c'est un but contre son camp, mais.
d'un très très bon travail de Moutray. Ouais. Alors que la pénalité venait de se terminer, je crois. Et ça fait 4-2 avec 2 minutes 41. Public de l'Ice Park là, qui va donner de la voix, ouais. peut-être se lever pour la dernière minute. Hardy. Et dégagement de Allais. Et ah, Bonnie Reed pour le triplé. Le hat-trick. Et voilà. 5-2. Envoyer les casquettes. T'as pas ta casquette, Charles, une vieille des Mighty Ducks là, t'as pas ça en stock là? Ah, j'ai mon casque de vélo, mais bon, ouais, j'en ai besoin. Ouais, faut dire au gars en face de lancer sa casquette là. Ouais.